Bonjour, on va traiter aujourd'hui un petit exercice sur la notion du mouvement et de la vitesse en mécanique niveau collège. Donc, l'énoncé de cet exercice, un document ci-contre montre la représentation successive du mouvement chronophotographie d'une balle tombant du haut de la tour du Pisa, en Italie, à partir du point A, voilà, on est ici le point A, vers le point B, avec la distance AB est égale à 50,7 mètres, c'est-à-dire la distance entre le point A du haut de la tour vers le bas, vers B, est de 50,7 mètres. Mes questions, quelle est la nature du mouvement de la balle qui tombe? Justifie ta réponse. Deuxièmement, calculer en unité mètres par seconde la vitesse moyenne de la balle entre les deux points A et B. Notez que l'intervalle de temps entre deux images successives est delta t et de 0,5 secondes. C'est-à-dire entre deux positions successives, on a la durée est de 0,5 secondes. Et on a la distance entre A et B est de valeur 50,7 mètres. Bien. نطلب السؤال الأول تحديد طبيعة حركة الكرة أثناء السقوط الحر مع تعليل الجواب. السؤال الثاني حساب بوحدة المتر بر سكوند السرعة المتوسطة للكرة بين النقطتين A و B مع العلم أن المدة الزمنية بين النقطتين متتاليتين هي 0,5 سكوند. Yeah. Commençons par la première question, quelle est la nature du mouvement de la balle qui tombe en justifiant la réponse? Réflexion. On peut constater, durant la même durée, entre deux positions successives, on constate que la distance augmente. Voilà. Cela veut dire que la nature du mouvement est accélérée. Car la distance entre deux positions successives augmente avec le temps. On peut constater que la distance entre le point A et le point suivant est tout à fait différente de la distance entre le deuxième point, c'est-à-dire la deuxième position, et la troisième position. Sachant qu'on a entre les deux positions successives, on a la même durée de 0,5 secondes. Une question. Calculer en unité mètre par seconde la vitesse moyenne de la balle entre les deux points A et B, sachant que l'intervalle du temps entre deux images ou bien entre deux positions successives est delta t et de 0,5 secondes. Donc, le حساب سرعة المتوسطة بين النقطتين A و B. بوحدة المتر بر سكون بمعنى بالوحدة العالمية سي لونيتي انترناسيونال سي لو متر بر سكون دو لا فيتيس بيان اون ابليك لا رولاسيون سويفونت اون سي كو لا فيتيس موين سي لا ديستونس باركوري سور لا ديوري دو باركور اون لا ديستونس سي انتر ا اي بي اي لا ديوري دو باركور دو ميم انتر ا اي بي avec dA, dAB de valeur d'après l'énoncé de 50,7 mètres, et la variation ou bien la durée du parcours, delta t, c'est 6 fois 0,5 secondes. C'est-à-dire, on a ici la première durée entre la première position A, voilà, la deuxième durée, la troisième, la quatrième, et la cinquième et la sixième. Cela veut dire que delta t, et 6 fois 0,5, qui est égal à 3 secondes. Donc, on fait appel à la formule suivante. On a Vm, la vitesse moyenne, la distance parcourue dAB sur delta de t. Et on remplace, on a 50,7 sur 3. Ça veut dire que la vitesse moyenne est de valeur 16,9 mètres par seconde, qui est un peu plus égal à 17 mètres par seconde.
Ça, c'est la distance ou bien c'est la vitesse moyenne de la balle entre les deux positions A et B. Voilà. Étant donné que le mouvement, c'est un mouvement qui est rectiligne et accéléré, car la distance augmente. Bien. Bon courage et à très bientôt.